Donc, je suis le docteur Van Alphen de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Il y a plus de 25 ans, on a découvert un outil qu'on a utilisé nous en salle de réveil après opération. C'était l'ancêtre du PSIO, donc lunettes posées sur les yeux fermés, casque pour entendre certains messages, donc des suggestions bien construites avec des voix très agréables et même des musiques. Et donc, on a mesuré l'effet de cela sur nous, essentiellement l'utilisation des médicaments, la vie du patient aussi. Après réveil, après salle de réveil. Et donc, ce qu'on a observé après étude, c'est qu'il y avait une utilisation de réduite des produits, des anxiolytiques, des antidouleurs après intervention, c'était déjà fantastique, que l'avis des patients était très, très positif. Certains même disaient, j'ai vu des fleurs dans le ciel et des choses comme ça, alors qu'ils étaient, voilà, qu'ils étaient en salle de réveil, dans un univers quand même assez difficile. Et ça a été testé par un de nos confrères en laboratoire du sommeil à Brueggemann, avec la même appréciation sur la qualité du sommeil, l'endormissement des patients. En laboratoire du sommeil, c'est parfois très difficile de dormir, parce qu'il y a beaucoup d'appareils sur la tête, d'accord, des capteurs un peu partout. Donc, efficacité.